Bonjour à tous, on se retrouve à Sedan pour un nouvel épisode. On est en phase difficile d'apprentissage en national et l'épisode précédent, j'avais parlé peut-être d'un changement tactique. Je vais me donner encore un peu de temps, les deux prochains épisodes, qui nous conduira à vendredi soir. Comme ça me laisse quand même le week-end pour chercher et tester quelque chose peut-être si on en vient à changer. Après, on a peut-être eu un calendrier difficile, je ne me rends pas compte du niveau national. Donc on va continuer comme ça et on va voir ce que ça donne. On partira peut-être sur des vidéos de 3 matchs pour pas se retrouver dans une situation non plus impossible à remonter. Et on va mettre l'équipe, une équipe assez type quand même pour jouer ce match. Juste on va reposer les joueurs qui en ont besoin. Hop. On va mettre Camara. Le but c'est d'avoir des joueurs reposés quand même. Le plus possible. On va partir comme ça. On espère une belle victoire face à ce petit club. Pour nous relancer et bien continuer en championnat. Alors en championnat, ça va être la crise si on n'améliore pas rapidement les résultats. Premier match, on joue en blanc. Brian Leal Moreira qui marque et qui ouvre le score rapidement, c'est bien. Il va falloir continuer sur cette lancée. Après, je me dis peut-être tester une mentalité prudente en championnat. Bon, c'est ce qu'on va faire sur les deux prochains épisodes et on fera le point. Il faut changer de tactique, on changera, mais ça me désolerait un petit peu quand même. Cette tactique nous a apporté pas mal pour toutes les parties où je l'ai utilisé. Bon, après, sur Twitch, c'est mitigé hein, en vrai. Mais sur les parties que j'ai fait en solo, ça a passé. À chaque fois, on domine quoi, c'est donc je sais pas. On cherchera ce qu'on peut faire. On mène 1-0. On a 10 tirs, 8 cadrés. Hein. On a vraiment un problème de finition, j'ai l'impression. Ouais, on a failli se faire égaliser. C'est pas la joie chez les chansons réguliers. Allez. On attend un peu plus quand même en deuxième période. Une petite victoire par 3-4 buts d'écart, ce serait cool. On va essayer de procéder à des remplacements pour avoir des joueurs pas trop fatigués. Peut-être en lancer certains pour qu'ils brillent un peu. Hein. Les corners. Oh là là. Ah non, on a vraiment des difficultés à marquer. On va faire entrer Frugier. Et Falaris pour finir le match.
Il faudrait, ouais, j'ai dit 3 plus 4 buts d'écart, on a un seul but d'avance. Ah. Un deuxième but. Toujours ça de pris. A priori, on va s'arrêter à 2 buts d'écart. Hein. Zone de tir 13 cadrés, 2 buts. Un peu triste. On encaisse par contre. Vraiment pas en confiance. Heureusement qu'il est hors jeu. Mais l'équipe est vraiment pas en confiance. Et si je les félicitais, on avait dit qu'on essaierait d'améliorer le mental des joueurs aussi. Enfin, on s'attendait à ce que ça devienne dur à un moment quand même, mais. En tactique, on va se mettre en prudent. En espérant que ça porte ses fruits. Faire travailler au jeu offensif tout le temps. On va se mettre en attaque directe. 7e tour de Coupe de France. Après la Coupe de France, c'est pas un objectif cette année. L'objectif, c'est le maintien. Hein. Surtout quand on tombe sur Nancy. Allez, on va faire confiance à l'équipe. Et donc on aura le Red Star aussi. La conférence de presse. On va voir ce qu'on peut faire. Hein. Après, ça me semble un peu contre nature de notre tactique de jouer en prudent, mais ça va peut-être porter ses fruits. Liste de jouer en positif. Point positif. C'est de suivre les conseils de l'adjoint sur la mentalité. Abri blessé, ça sert à rien de l'emmener. Lui est mécontent, ça sert à rien de l'emmener aussi. On va partir comme ça. De toute façon, j'ai blessé. Milojevic est suspendu. On va voir ce que ça peut donner. Faut y croire, on est capable de faire des bons matchs, on l'a prouvé. Mais on a du mal à le montrer, hein. Encaisser aussitôt.
Pas une bonne nouvelle. Martigues perd toujours. On va jouer contre le Red Star. Hein. On n'arrive plus à avoir la possession. Encore un élite blessé. Incroyable. La saison va être difficile. Hein. On a réussi. On va faire un tir qui a donné 0 DG. Peut-être une occasion. Et première occasion, on égalise. Bon, ça fait du bien juste avant la mi-temps. Surtout que le Red Star a aussi égalisé. On va leur dire qu'ils font un bon match parce que je suis pas vraiment convaincu de ça. Voilà, un coup franc indirect. Tous les derniers ont donné but en championnat. Il y a vraiment un problème en défense, hein. Je sais pas quoi faire. Parce que la défense est bien placée dans l'absolu, mais... On va essayer à revenir dans le match. Falari, je le remplace par qui? Il fait effectivement un mauvais match, mais... Peut-être mieux faire ça. Tout le monde fait... Il n'y a pas beaucoup de bons matchs hein, dans l'équipe. Gianni fait un mauvais match, mais j'ai pas d'ailier de toute façon. Pas de Sotoka... Non, on peut plus. Bon, bon, on va pas mettre. C'est vrai que c'est que 3 remplacements en championnat. J'ai du mal à m'y habituer. Au niveau solution, on est un peu à court, hein, je trouve. Il n'y a aucun match où on arrive à dominer. Pour gagner, il faut dominer. On peut arracher des nuls en se faisant dominer, mais pour gagner... On arrive à égaliser encore une fois en fin de match. Il serait rentré, ça aurait été un vol total du match, hein, je pense. A priori, ça va être un match nul. Toujours mieux qu'une défaite, mais... Bafunta, 10 semaines, incroyable. Niveau ailier, c'est compliqué hein, sur ce début de saison. Ils disparaissent les uns après les autres. On a la quatrième pire attaque. Et la troisième pire défense. On va peut-être réfléchir à un changement de tactique. Comme je vous ai dit, on va voir quand même sur les deux prochains épisodes. Enfin, cet épisode et le suivant avec la même tactique parce que il faut que j'ai le temps de trouver autre chose. Et du coup, lundi, nouvelle tactique, a priori. À moins que... Là, on gagne face au Red Star et qu'on gagne... À moins qu'on gagne 3 matchs, là, sur les... Peut-être 3 qui viennent. Là, on va jouer
Red Star, donc faudrait qu'on gagne là. Concarneau et Le Puy. Si on gagne. Allez, si on prend 7 points sur les 3 matchs, on pourra garder la tactique. Sinon, on reverra tout et on essaiera de trouver autre chose. Hein. Il y a la Coupe du Monde de Football Manager, je crois. Peut-être s'inspirer des tactiques qui fonctionnent là-bas. Je crois que c'est ce week-end d'ailleurs. Donc peut-être jeter un œil. On va se calmer sur les conférences de presse. Donc là, on va jouer contre le Red Star à l'extérieur. Ils sont juste devant nous, je crois, au classement. Ah non, ils sont derrière nous. C'est bien de prendre un avantage sur eux. Hein. Gabriel, il est toujours blessé. Camara qui est fatigué. Peut-être Léal Morera. Hein. Pour le début du match. On va mettre les mêmes machelles. On part comme ça. Une équipe qui est en difficulté, le Red Star, donc on est censé prendre des points. On est à domicile. Non, on est à l'extérieur, pardon. Et on joue en blanc. Attendez à une saison pas facile, hein, mais à la place de Nîmes à peu près au classement. Là, on a 8 points. Pas droit à 9 points. Hein. 11 points, il gagne. Donc devant, c'est pas super loin, mais... On ouvre le score. Et malgré tout, niveau domination, c'est pas ça. Hein. On a 0,16 XG, mais on a mis un but. Voilà, nous, défense, on est vraiment pitoyable. Ouais, j'ai changé la défense, hein. J'aurais peut-être dû la laisser comme je les avais mis. Vous avez mis en défenseur relanceur. Le gardien, on l'avait mis en gardien libéraux. Là, c'est peut-être le mieux. Hein. Ouais, sur ce match, je pense pas que ça changera grand-chose. Là, ça sent pas bon. On va sortir Gassama. Sortir Milosevic. On va sortir Le Sueur. Hein. Les buts qu'on marque à chaque fois, c'est des buts un peu chanceux. Alors que c'est des buts, on voit que c'est construit. De toute façon, j'avais dit, on prend 7 points. C'est-à-dire, si on perd un match, on change de tactique. Je pense qu'on va trouver une autre tactique.
La tactique a fait son temps. Alaris s'est blessé. Un de plus. Ah, c'est juste, on n'a plus assez d'ailier. Hein. On va rien pouvoir faire. Allez, 4-2. 0 poussé. Défaite 3-2. Il va falloir réfléchir à une autre tactique. Après, peut-être qu'on changera de main si j'ai le temps de travailler dessus, qui n'est pas sûr. Et si on peut, on change de main, sinon... Sinon, on changera lundi. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et on continue d'y croire, hein. On n'est pas si loin, on est à 4 points du premier non relégable. On va réussir à remonter. Salut à tous!